peu. Comment s'est passé de votre point de vue? Quatrième temps en ce moment, vous êtes trois équipes en 39 secondes. C'est ce que vous espériez? On espérait faire le meilleur chrono possible. Après, je sais pas, j'ai pas du tout vu les temps, j'ai pas du tout vu les intermédiaires. Je sais pas du tout ce que ça donne, quelle équipe sont devant nous. Voilà, c'est. Je crois qu'il y a 12 équipes qui sont parties avant nous. Même si on est quatrième temps, ça fait qu'il n'y en a que 8. Bon, on verra, on visait un top 10. On espère pouvoir y être. Après, on verra bien ce que ça donne. Mais c'était un chrono difficile à gérer. Voilà, malheureusement, on voulait être 6 en haut de la seconde bosse. On n'était plus que 5. Au début, je pense qu'on a perdu pas mal de temps avant la première bosse. Parce que dans les roues, on ne pédalait pas beaucoup. Mais bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, toutes les équipes font des erreurs. Et c'est notre premier bon chrono, je pense, par équipe. C'était un chrono avec des portions vraiment roulantes aussi, mais il y avait ces bosses. C'est là où on faisait le plus de temps, dans les bosses, ou c'était dans les portions roulantes? C'est partout, en fait. Parce que dans les bosses, ok, on peut prendre du temps, mais si on n'est plus que 3 en haut, ça vaut pas le coup, parce que tout est en faux plat descendant à la fin. Donc c'est sûr que nous, je pense qu'on a perdu du temps dans les bosses. Après, voilà, on est 5, on voulait être 6 en haut, donc on aurait pu monter plus vite, c'est sûr, et perdre moins de temps dans les bosses, mais tout le retour final, si on n'est plus que 2 ou 3, ça aurait été beau, enfin, on aurait perdu encore plus de temps, donc voilà, c'était vraiment pas facile à gérer. Vous avez dit vous ne saviez pas les temps ni les inters, vous avez pas eu les informations pendant la course, l'idée c'était de juste coller au plan, à votre plan, et pas d'avoir les informations ou... Ouais, normalement on devait les avoir, mais peut-être qu'il les a dit, mais... Ouais, j'étais peut-être à fond, je sais rien, mais voilà, après, c'est vrai que dans les chronos comme ça, on nous parle beaucoup, mais on n'entend pas tout, enfin, on n'écoute pas tout, on entend, mais des fois, on est tellement concentré qu'on ne peut pas écouter toutes les conversations, tout ce qu'il dit, donc surtout que nous, il parlait en anglais et en français, parce que Sam, il ne parle pas trop français, donc voilà, il y a beaucoup d'infos, et on... enfin, peut-être qu'il nous a dit les temps, mais je n'ai pas trop fait gaffe, quoi. Merci, voilà. Merci. Vous établissiez le temps dans les mondes.